ça manquait d'un petit truc, je pense, d'une petite conversation, vite fait. Je me mets pas plus d'un côté que de l'autre. J'avoue que le côté Savasun m'intrigue plus que Mara, parce que Mara, la cité des rêves, tout ça, on l'a déjà vu et revu. Mais je sais pas, non, Mara, je sais pas pourquoi. Personnellement, moi, je la sens pas. Et peut-être qu'elle va nous la mettre à l'envers. Camarades, c'est un honneur d'être à vos côtés, malgré cette sinistre mission. Ikora a donné l'ordre d'arrêter Osiris. Elle veut l'interroger sur son implication dans l'attaque de Lakshmi sur les Elixni. Je vais aller le chercher dans la cité des rêves où il se cache. Que personne ne le touche tant que je ne connais pas la vérité. Il a déjà agi de façon impulsive, mais je ne l'ai jamais vu menacer volontairement la cité. Quelque chose ne va pas. Je le sens depuis un moment. Il est distant. Aidez-moi à le ramener. J'avance sur le flanc opposé à votre position. C'est envahi par la ruche. Prenons-les en tenaille, comme les anciens crabes. Passez leur ligne et retrouvez-moi au signal d'Osiris. Osiris m'a demandé mon aide. Avec toute cette ruche, je vois pourquoi. Ça empeste Xivoaras. Il vous a appelé ? Non. Repartez. Ce n'est pas votre combat, c'est le mien. Vous ne pouvez pas le garder en cage, Saint. Il compte aussi pour d'autres personnes. Vous me sermonnez ? Vous ne savez rien ! Osiris n'est pas lui-même. C'est moi qui vais le ramener. Un appareil des éveillés près de vous. Il devrait vous permettre de glisser dans le plan ascendant et vous rapprocher d'Osiris. Le corbeau et moi, nous nous en servions pour nous cacher des Kourousiens. Nous ne nous cachions pas. Nous les traquions. Corrompu. Dimension éveillée. Bien. Allez-y, gardienne. Suivez le chemin du corbeau. Le plan ascendant devrait vous faire contourner les barricades de la ruche. Par contre, faites attention aux corrompus. Et à bon entendeur, la disparition de Curia a déboussolé les corrompus. Je ne crois pas que ça va tourner encore le contrôle sur eux. Peu importe. Mes balles ne font aucune différence.
devant vous, gardienne. Nous convergeons vers Osiris. Alors nous allons bientôt nous voir. Corbeau terminé. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas le perdre. Même si je ne comprends pas ses actions, je dois croire qu'il a un but. J'espérais que nous nous retrouverions. Je suis un peu perdu, mais cela m'est familier. Est-ce qu'on se connaît ? Osiris ! Tu dois rentrer ! Répondre de tes actes ! L'avant-garde se montrera indulgente. Oui. Ikora et le commandant Zavala sont plus que généreux. Reine Mara, regardez comme ils ont accueilli le corbeau dans leur nid. Il n'est pas trop tard pour obtenir le pardon. Faites attention. Je vous en tiendrai rigueur. Ça m'a rassuré de savoir que c'était pas lui, que c'était elle et qu'elle nous a manipulé. J'ai trouvé ça rassurant. Où est Osiris ? Baissez vos armes. Osiris est encore en vie. Vous croyez cette chose ? Cette chose et moi avons passé un accord. Il ne vous reste qu'à coopérer. Qu'est-ce que c'est ? Je suis Savathun, la reine sorcière, sœur des formes. La plus puissante de l'Assemblée de la Ruche, etc. Ma sœur Xivoaras me traque pour quelqu'un d'autre. Je ne veux que la liberté. Marasov m'a gracieusement offert son aide. Et Osiris ? C'est mignon de penser à lui, petit oiseau. J'ai été Osiris depuis aussi longtemps que vous le connaissez. Mais rassurez-vous, il vous sera rendu sain et sauf. En échange de votre aide. Reine des mensonges! Vous avez intérêt à dire la vérité cette fois. L'avant-garde doit être mise au courant. Restez, gardien. Je vais y aller. Quelqu'un m'a dit un jour que la ligne est fine entre lumière et ténèbres. Suivons-la ensemble. Pour Osiris. C'est la première fois que je vois un personnage qui, en fait, qui m'intrigue et qui m'intéresse vraiment, à 100%. Parce que comme c'est une petite pute, Savathun, moi, limite, je l'aime bien, tu vois. Enfin, je sais qu'on va devoir la buter, et je sais que faut qu'elle soit mortelle pour qu'on la bute, mais je trouve ça trop excitant qu'en fait, tu vois, c'est comme une petite fouine qui fait la gentille alors qu'elle l'est pas. Puis finalement, est-ce qu'elle est vraiment méchante? Enfin, c'est intriguant. Moi, c'est ça qui m'interpelle, qui me titille un peu. Je suis contente qu'elle soit arrivée, parce que c'était gnangnan, on se faisait chier sur le jeu. Faut dire ce qui est. On se faisait grave chier, et là, enfin... Nous aussi, on a des choses à se reprocher, et c'est ça qui est intéressant. C'est que Savathun nous le met en pleine face, puis elle a raison. Je ne suis pas la méchante, ni vous, des héros. Tout est paracausal. Bonne game à tous, et plein de bisous. Ciao! Thank you.
Vous avez été efficace contre les infâmes, gardienne. Le timing de leur mission est suspect. Sont-ils alliés à Xivoaras? Ou est-ce une simple coïncidence? Tête de pont pour la ruche. Les natifs du récif vous remercient.